Bonjour et vous êtes là, c'est l'heure des mots et débats, vous regardez, vous êtes sur Télésud, on est ensemble durant 26 minutes, merci d'être avec nous. Alors l'auteur que je reçois est d'origine congolaise, elle est diplômée d'une école commerciale spécialisée marketing digital, elle est aussi créatrice de la plateforme Kobi. Je vous présente, elle est aussi, pardon, j'ai oublié, animatrice d'une émission radiophonique O2, l'émission s'appelle Working Girl. Je vous présente Marie-Mia Munza. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être là, Marie-Mia Munza. Vous avez sorti votre premier roman, ça s'appelle Black in the City, aux éditions La Bruyère. Eh bien, commençons, sans plus tarder, la première partie des mots et débats au fil des pages. Marie-Mia Munza, dans votre roman, il y a un avant-propos, une préface. C'est écrit par François Durper. Vous le connaissez bien, François Durper? Alors, François Durper m'a été recommandé par un ami. Hein. J'ai fait part des différentes thématiques, des sujets que je souhaitais aborder dans mon roman. Et pour le coup, j'ai un ami qui m'a dit « Mais il faut absolument que tu prenne contact avec monsieur François Durper, qui est spécialisé des questions de diversité culturelle. Et il va de soi, quand je lui ai envoyé le manuscrit, il s'est reconnu à travers, effectivement, le sujet principal qui était la diversité culturelle. Et pour le coup, il a accepté d'écrire mon roman. Mais je ne le connais pas, on est juste sur des points communs en termes de vocation, si vous voulez. D'accord, d'idées, en fin de compte. Alors, c'est l'histoire, Black in the City, c'est l'histoire d'Amanda Parks. Alors, j'aime bien parce que Black in the City, tout le monde pense à Sex in the City, c'est cela? C'est pas forcément en rapport. Black in the City, c'est surtout un clin d'œil lié au fait que le papa d'Amanda est anglais. Et donc, je trouvais que la sonorité anglo-saxonne était en lien avec les origines de son papa, tout simplement. D'accord. Et c'est vrai qu'Amanda Parks, donc le papa est anglais et la maman est congolaise. Donc, ça fait un super métissage. Et elle est spécialisée, elle travaille dans une agence internationale de relations presse publique, de communication, spécialisée dans la mode. Exactement. C'est un domaine qui vous fascine, la mode? C'est un domaine qui m'intéresse, qui me fascine. Effectivement, c'est intéressant parce que c'est un métier dans lequel elle, Amanda, elle est dans la communication presse. Je trouve ça très intéressant, l'approche qu'elle a pour développer son entreprise et l'entreprise pour laquelle elle travaille. Elle met en place des stratégies et je suis très intéressée par ces personnes qui sont force de proposition et d'idées. Oui, et c'est vrai qu'on la sent très dynamique, ambitieuse. Elle a vraiment envie de se faire remarquer dans cette structure qui s'appelle Giant & Co. Exactement, Giant & Co. Giant & Co. Alors, dans cette structure, on comprend que la patronne, c'est Patricia Gismenil. Exactement. Alors, son bras droit, c'est Freddy. Et autour de ces deux pôles, il y a donc Amanda Parks et Kim. Exactement. Alors, Amanda Parks, ce qui est sympa avec elle, on sent qu'elle est dynamique et son compagnon s'appelle Hugo. Alors, ce que j'ai apprécié dans votre voix, j'ai dit, tiens, c'est singulier parce que Hugo, lui, il gagne sa vie en tant que joueur de poker professionnel. Alors, véritablement, il gagne sa vie en créant des logiciels qu'il vend ensuite aux grandes entreprises. Et il a pour hobby le poker. Donc, c'est un hobby qui lui permet également d'arrondir les fins de mois. Mais principalement, son métier, c'est un créateur de logiciels. Mais c'est rare d'avoir un compagnon, surtout dans les livres, qui sort comme ça un peu des sentiers battus, le poker. Parce que, bon, on dépense de l'argent et on risque sa vie, parfois. J'ai laissé vaquer mon imagination. Il est vrai que j'ai des personnes dans mon entourage qui en font un hobby et j'ai intégré ça dans le roman. Je trouvais ça intéressant. Alors, donc, Hugo partage la vie d'Amanda. Amanda fait tout pour se faire remarquer. Mais voilà, Freddy, le bras droit de Madame Patricia Gismenil, veut travailler avec des Anglais, il veut partir. Et tout de suite, Amanda, Parks et Kim se disent « Voilà, ça voilà va une être opportunité. Une opportunité. » C'est ça. Mais que se passe-t-il en fin de compte? Alors, ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a une phrase qui va tout bouleverser. Ouais. Kim sort à son amie Amanda, qui est par extension sa collègue de travail. « Mais qu'est-ce que tu croyais, Amanda? Est-ce que tu as déjà vu un noir à un poste aussi élevé que le tien ?» Regarde l'organigramme de l'entreprise, c'est pas le cas, tu devrais être satisfaite de ce que tu as finalement. Oui. Elle impose sa responsabilité déjà à Amanda, mais pour le coup, elle souhaite pas limiter ses ambitions. Et elle est surtout considérée comme l'employée de l'année. Donc pour elle, il était évident qu'elle ait cette promotion, chose qui n'a pas été le cas malheureusement. Et c'est à partir de là que tout est chamboulé dans sa vie et la suite, je vous la raconterai tout à l'heure.
Alors justement, développons cette suite. C'est parce que c'est Amanda, comme elle est bouleversée, donc on a l'impression que c'est comme si elle avait reçu une massue derrière la nuque. Et là, elle prend conscience, en fin de compte, de ses origines. Parce qu'au début, elle ne parle pas de ses origines. Et c'est là qu'elle prend conscience qu'elle est d'origine congolaise, qu'il y a des racines. Effectivement. Donc, à partir du moment où son amie Kim lui envoie cette fameuse phrase dans la figure, elle prend ça comme quelque chose qui va tout à fait la bouleverser. Et donc, elle est en introspection, elle s'interroge. Elle cherche à savoir si son amie Kim a raison, si elle a été écartée du poste parce qu'elle est noire ou si finalement ce sont ses compétences. Donc elle interroge la fameuse Patricia Guiménil et sa patronne lui renvoie une phrase qui donne du sens un petit peu à la réponse qu'elle attendait, qui est « Vous interrogerez finalement les investisseurs ». Et à partir de là, elle reçoit la réponse comme un coup de poignard, quoi. Elle se sent un peu trahie et effectivement, ça confirme qu'elle n'a pas eu le poste stratégiquement parce qu'elle est noire. Donc, s'il faut interroger les actionnaires, on peut considérer qu'elle n'a pas eu le poste lié à sa condition de femme noire. Mais pourtant, dans certaines sociétés, il y a aussi, on va dire, des blancs qui ne peuvent pas aussi accéder facilement aux échelons. Mais pourquoi ça la bouleverse? Pourquoi ne pas se dire, écoutez, je vais redoubler de travail, d'effort? Oui, ça la bouleverse parce qu'elle considère avoir les compétences pour avoir ce poste, elle le méritait. Et ce qui la bouleverse profondément aussi, c'est qu'elle essuie deux plafonds de verre, celui d'être femme et celui d'être femme noire. Et là, c'est la première fois qu'elle est confrontée à un acte raciste aussi poignant. Donc, ça la pousse à s'interroger sur son identité, chose à laquelle elle n'était pas forcément préparée à laquelle elle ne songeait pas jusque-là. Oui. Mais cette situation fait qu'elle se dit « Mais où est ma place? Qui suis-je? Suis-je simplement une femme d'origine congolaise, une Française ?» Et à partir de là, elle part en introspection. C'est la raison pour laquelle elle a besoin de voyager, de partir loin de chez elle pour trouver les réponses à ses questions. Et c'est vrai, elle part au Congo et elle va retrouver sa grand-tante, Rosemary. Tout à fait. Et Rosemary aussi a déjà une histoire puisqu'elle a vécu en France. Oui. Donc en fin de compte, ces deux histoires sont liées puisque Rosemary raconte aussi cette déconvenue aussi en France. C'est ça, elle a essuyé des périodes beaucoup plus marquantes en termes de racisme. Mais pour autant, ce qui est intéressant dans cet échange avec Rosemary, c'est qu'elle lui fait prendre conscience qu'elle est française, qu'elle est déterminée à être ce qui a été essentiellement son environnement. C'est une enfant qui est née en France, qui a tous ses liens, tous ses attaches en France. Elle aime le bon vin, elle aime aller dans les vernissages. C'est une Française parmi tant d'autres. Oui. Et ça, elle s'est interrogée à un moment donné, Amanda, et sa tante Rosemary lui fait prendre conscience que finalement, elle est à sa place en France et qu'il faut qu'elle se batte pour exister dans son pays. Alors, dans votre ouvrage, parce que moi j'étais assez surprise, puisque on la sent bien plutôt française, puisqu'il n'y a même pas ses origines qui sont mises en avant, mais elle comprend le Lingala, Amanda Parks? Bonne question. Elle part au Congo avec, dans sa valise, dans son sac à main plus précisément, un dictionnaire. Donc elle ne comprend pas forcément le Lingala. Sa maman a dû effectivement lui dire certains mots quand elle était durant son enfance ou autre chose, mais elle part avec un dictionnaire. Mais elle trouve que c'est une richesse culturelle importante et elle fait l'effort effectivement de prendre des cours et ce dictionnaire pour elle est très important parce qu'elle veut communiquer avec la langue de ses parents. Oui, parce qu'on le sent de sa maman. Et c'est vrai qu'on ne le ressent pas au début de votre ouvrage qu'il y a cette culturel, enfin ce culturel profond, ces racines congolaises, on ne le sent pas. On la voit plutôt vraiment, je suis de France, c'est mon univers, et même si je suis noire. Mais on ne voit pas l'identité, la nationalité. C'est une très bonne question. Il est vrai que Amanda Parks, elle s'identifie comme une femme française, occidentale. Oui. Ça va de soi. Mais il est vrai qu'il y a des bribes après qui sont liées aux origines de ses parents. Mais ce qui la conditionne, si vous voulez, a été essentiellement son environnement. Donc il va de soi qu'elle se considère plus française, elle adopte plus les codes d'une identité française que de la culture africaine congolaise. Oui. Mais pour autant, elle aime valoriser la culture de sa maman,
c'est sa maman qui est née au Congo, et elle considère que c'est une richesse et une valeur ajoutée à sa condition de Française, avec les bribes d'une culture congolaise. Et d'ailleurs, vous parlez même dans votre roman, on a l'impression qu'elle redécouvre le héros, enfin là c'est plutôt RDC, oui. Mais Patrice Lumumba. Tout à fait. Ouais. Pourquoi parler justement de Patrice Lumumba ? Alors c'est une grande fierté, Patrice Lumumba, c'était un hommage à lui, comme le nom d'Amanda Parks n'a pas été choisi par hasard. Parks, évidemment, en référence à Rosa Parks. Et je souhaitais, à travers le roman, rendre hommage aussi à M. Lumumba, qui est pour moi vraiment l'emblème même de la fierté du Congo. Donc, et historiquement, j'avais besoin qu'on explique un petit peu quel avait été le combat de cet homme dont, aujourd'hui, encore nous, de cette génération, sommes très, très, très fiers. Vous dénoncez le blanchiment de la peau. C'est un message que vous lancez aux femmes ou aux hommes, puisqu'ils touchent aussi à ce genre de produits. C'est un message très assumé, parce que je considère qu'il faut quand même être fier, évidemment, de ses origines et par extension, sa couleur de peau. Je trouve ça dommage de vouloir se valoriser en essayant de dégrader sa peau, parce que je trouve que la peau ébène est très belle. Et c'est un message très important pour toutes les personnes qui considèrent que c'est un acte pour s'embellir. Je trouve que l'acte en elle-même devrait venir de l'intérieur et pas de l'extérieur. Alors, il y a cette partie-là, et puis il y a aussi l'autre partie, c'est un moment, Amanda Parks, le fait qu'elle se soit ressourcée auprès de sa famille, donc ça y est, elle est combattante, elle est prête à revenir en France pour affronter sa patronne, parce qu'il faut dire, elle a démissionné. Elle a démissionné, effectivement. Elle revient pour affronter sa patronne, mais de manière intelligente, si je peux dire. Elle décide de s'interroger sur ses compétences, et elle se sent finalement, elle se pose deux questions. Alors aujourd'hui, quelles sont mes compétences et qu'est-ce que je peux en faire ? J'ai été déboutée de mon poste. Elle a réussi à renouer, si vous voulez, l'amour propre qu'elle avait d'elle-même, et son amour propre était suffisant pour qu'elle décide de créer son entreprise et de tout simplement se mettre au challenge elle-même. Justement, alors là, vous le dites, voilà, elle crée son entreprise. Je me suis dit, Marie Inia Munza a certainement un message à livrer aux téléspectateurs. C'est debout les femmes, affronter, ne vous laissez pas abattre. Alors, oui, là, effectivement, si je dois donner un message qui est lié à ce passage précis dans le livre, c'est qu'effectivement, si vous avez le sentiment de manquer d'opportunités, le fait de créer une entreprise, par exemple, vous permet d'ouvrir d'autres portes. Donc, une porte se ferme, la perspective, elle s'ouvre à vous différemment. Donc, oui, il faut y aller. Ouais. Il faut avoir les fonds. C'est vrai, ça demande une préparation. Oui. Aujourd'hui, on a la chance d'être en France. On est accompagné par différentes structures qui sont gratuites, qui accompagnent sur la conception, par exemple, d'un business plan, etc. Donc, on a la possibilité d'avoir les moyens nécessaires si vraiment on a une fougue et une volonté de créer son entreprise. Il ne faut pas que ça soit la partie financière qui nous bloque. Quand on a une idée qui est forte, à laquelle on croit, il est possible de pouvoir la mettre en place de manière intelligente et stratégique. Pour ça, il faut se faire accompagner par une structure, chose qui a été le cas notamment dans le livre pour Amanda. Pour Amanda, oui, parce que comme son ami, son compagnon Hugo a un papa qui est dans les affaires, donc cet homme a pu un peu la diriger, lui dire de faire ceci, ne pas faire ça. Donc il y a eu un conseiller. Exactement, elle a été conseillée, elle n'est pas passée par le biais d'une structure, mais c'est comme si, dans la mesure où, effectivement, comme vous le disiez, le papa est un fervent chef d'entreprise depuis des années, et donc stratégiquement, il lui a permis de consolider son idée, de le mettre au propre, et surtout de mettre en place des plans d'action pour qu'elle puisse avancer de manière chronologique et pas s'éparpiller dans tous les sens. Donc c'est très important d'avoir une idée, de l'établir rédactionnellement parlant, et ensuite de se faire accompagner pour comprendre et savoir quelles sont les premières étapes à franchir. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Marie Inia Munza, pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à Carte sur table. D'accord. Alors,
Alors, pour Carte sur table, on va découvrir qui est Marinia Munza. Vous êtes animatrice sur une radio qui s'appelle O2. Oui. Et votre émission s'appelle Working Girls. Alors, tout le monde sait ce que veut dire Working Girl, la femme qui est en affaires, auto-entrepreneur. On reste toujours dans le même milieu que de votre livre, en fin de compte. Alors, comment ça se passe dans cette émission? Comment ça se passe? Alors, on m'a proposé de mettre en place cette émission. Hein. C'est la radio qui m'a contactée parce qu'évidemment, je suis moi aussi entrepreneur depuis 2010. Et pour le coup, j'ai accepté cette proposition parce que je considère qu'il est important de témoigner, de partager son expérience avec d'autres femmes qui envisagent de se lancer ou qui se sont lancées. C'est un moyen de pouvoir avoir des idées pour savoir notamment par quoi commencer pour créer son entreprise. Donc l'idée m'a séduite. Alors justement, vous, vous êtes basée à Bordeaux. Tout à fait, j'habite à Bordeaux. Et comment font ces femmes entrepreneurs? Donc vous payez leurs billets de train, parce que tout le monde n'habite pas à Bordeaux, ces femmes n'habitent pas toutes à Bordeaux. Exactement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de nouvelles technologies très efficaces. On n'a pas toujours besoin de faire déplacer les personnes. Donc je fais les interviews par le biais d'un logiciel qui me permet effectivement de poser les questions nécessaires à la working girl et de pouvoir créer, réaliser l'émission. Parce que l'émission, on la voit aussi, c'est une émission en vidéo, on va dire, tout enregistrée. Donc comment fait l'entrepreneuse qui habite, par exemple, je ne sais pas, moi, dans le sud, Nice ou au nord de la France? C'est une très bonne remarque. Alors, pour les enregistrements audio à distance, effectivement, il n'y a pas de vidéo, mais pour celles qui sont locales, les Bordelaises, les Girondines, etc., elles viennent directement à la radio et c'est enregistré avec un caméraman, etc. Mais il va soit qu'aujourd'hui, la plupart des dames qui sont hors du secteur de Bordeaux, ce sont des enregistrements à distance par le biais d'un logiciel. Alors, on parle de parité. Pourquoi uniquement les femmes? Pourquoi pas cette mixité? C'est une bonne question également, parce que je pense que la femme entrepreneur comparée à l'homme a peut-être beaucoup moins, comment dirais-je, elle a peut-être moins de tribunes, si vous voulez. L'homme est beaucoup plus mis en avant et c'est important aussi de créer une certaine solidarité féminine à travers la communauté des working girls, des femmes entrepreneurs, pour qu'elles aient le courage un jour, quand elles se retrouvent par exemple face à leur banquier, de se dire, moi en tant que femme, c'est pas 20 000 euros que je vais demander, mais 50 000, c'est ça, c'est transmettre une force aussi à la femme qui, pour la plupart du temps, parfois est un peu intimidée par la condition, le fait d'être une femme entrepreneur. Et ces femmes que vous avez interviewées, la plupart ont-elles fait des écoles de commerce ou c'est parce qu'elles ont cru en leur idée, puis des gens les ont aidées, les ont soutenues financièrement? C'est souvent une question que je pose, à savoir comment les proches réagissent à cette annonce. Je veux créer mon entreprise, je veux démissionner, j'ai 3 enfants. Cette action-là, souvent, est au départ pas forcément mal perçue, mais les gens ont peur. Les gens transmettent leur peur parce qu'ils se disent, mais moi, je me sens pas le courage de le faire et toi, tu vas lancer ton entreprise. Donc, c'est de manière inconsciente que les gens nous transmettent leur peur. Et la plupart du temps, c'est que les gens ont un peu d'appréhension pour les femmes qui envisagent de se lancer. Mais par la suite, au bout d'un an, au bout de 6 mois, quand le chiffre d'affaires commence à rentrer, quand il y a des clients qui commencent à arriver, l'entourage est rassuré. Donc à partir de là, si vous voulez, la crédibilité, elle se confirme à travers l'évolution de la working girl. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est plus une réaction de protection pour la proche, l'amie, la femme qui va lancer son entreprise. On peut le comprendre, mais il suffit de les rassurer et de prouver qu'on en est capable. Et c'est vrai que souvent, working girl, on voit une femme qui a laissé un peu de côté sa vie familiale ou sa vie en tant que femme, c'est-à-dire en tant que mère. Parfois, elles sont peut-être célibataires ou juste peut-être avec un compagnon. Et c'est vrai que dans votre livre aussi, Amanda Parks n'a pas d'enfant. C'est l'image, c'est vraiment le reflet de cette femme working girl.
Alors, est-ce que Amanda Parks n'a pas d'enfant parce que c'est une working girl? Je dirais que c'est plutôt que c'est une femme qui, prioritairement, a mis en avant sa carrière professionnelle. Il faut dire ce qui est, hein, à 30 ans. Et il va de soi qu'elle a dû certainement pas se sentir suffisamment prête d'avoir des enfants. Aujourd'hui, on est dans une génération où on a des enfants beaucoup plus tard aussi. Oui, c'est vrai. Mais pour le coup, c'est quelque chose qu'elle n'écarte pas de sa vie. Elle a préféré se construire en tant que personne, dans le cadre professionnel également, avant d'avoir des enfants. Des personnes font l'inverse aussi, donc je pense que c'est plutôt réfléchi et intelligent de sa part. Et vous, votre choix ? Mon choix, c'est d'avoir des enfants. J'en ai pas encore pour faire le lien, mais je trouve que c'est l'une des plus belles choses au monde. Donc, il va de soi que c'est une confirmation, une continuité. C'est quelque chose qui est vraiment merveilleux. J'ai hâte d'en avoir. Aujourd'hui, je me sens prête. Et j'ai le bon compagnon. Donc, c'est formidable. Voilà, c'est déjà ça. Et puis, autre chose, votre plateforme de créateur Kobe, parlez-en un peu pour donner envie à ces futurs créateurs qui veulent venir sur votre plateforme. Oui. Alors, cette plateforme s'appelle Kobe. Elle est en construction. Au départ, encore, c'est une question de stratégie. C'était un site de bijoux à la base, d'accessoires, colliers, bracelets, etc. Et pour le coup, j'ai trouvé qu'il était judicieux de tendre la main aussi aux jeunes créateurs de mode qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un site internet, ou quand bien même ils auraient un site internet, ça leur permet d'avoir un double référencement à travers la plateforme et à travers leur site internet. Donc un trafic plus important ou sur leur site ou sur notre plateforme. Et c'est un double moyen de faire du chiffre d'affaires. Donc n'importe quel créateur de mode dans la catégorie bijoux, bracelets, mais aussi robes, jupes, etc. L'art aussi, il y a une catégorie art, donc un artiste peindre peut également télécharger les photos de ses créations et créer un compte sur la plateforme Kobe. Alors, vous parlez de robes, de bracelets, bijoux. Et pour l'homme, alors, qu'est-ce qu'il y a pour l'homme ? Pour l'homme, dans l'immédiat, c'est pas encore en projet. Oh. Oh, c'est... Mais c'est une idée à laquelle je vais m'intéresser. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Marie-Naya Mounza, pour cette partie carte sur table. Merci. On va passer à la dernière partie, le coup de cœur. Pour votre coup de cœur, vous avez choisi un auteur américain. Oui. Oui, c'est Robert Wright. Et le titre de ce livre ? C'est « L'animal moral ». Pourquoi ? Parce qu'il est très intéressant. J'aime beaucoup les questions sur les questions existentielles. Et j'ai trouvé la manière dont il portait certains sujets, l'amour, la passion, assez intéressant. Donc, c'est la lecture que je suis en train de faire aussi actuellement. Mais sinon, pour citer d'autres auteurs, j'aime beaucoup Madame Miano, Monsieur Mabankou. Mais je souhaitais parler de ce livre en particulier parce que moi, je suis en continuelle interrogation, en quête de développement personnel. Et c'est vrai que c'est le type de lecture souvent qui m'éveille personnellement. Et par exemple, qu'est-ce qu'il vous a permis, qu'est-ce qu'il vous a donné, quelle idée dans ce livre, justement, vous a interpellé est-ce que, puisque ça parle de l'évolution sociale, oui, psychologie dit sociale, c'est exactement ça ? Exactement. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on a souvent des suppositions sur différentes thématiques. Qu'est-ce que c'est l'amour ? Qu'est-ce que c'est la peur ? Quelle est pour nous la relation avec les autres ? Et c'est une approche que j'ai trouvée quand même assez intéressante dans la mesure où ça remet, au clair toutes les interrogations qu'on peut avoir. C'est-à-dire que les suppositions qu'on a, par exemple, sur telle ou telle thématique, elle me concerne à moi directement parce que j'ai vécu dans un certain environnement, parce que je suis une femme, mais il suffit qu'on enlève cette partie-là, qu'on interroge une autre personne qui va avoir, par exemple, 20 ans, qui va grandir en Russie. C'est une vision de voir les choses qui diffère en fonction de ce qui a été notre parcours de vie, finalement. Et ça nous permet d'être un peu plus tolérants, d'accepter finalement le point de vue de l'autre. Donc ce livre vraiment vous a aidé à accepter le regard de l'autre, la vie de l'autre, l'opinion de l'autre, à grandir avec l'autre. Entre autres, c'est l'un des livres qui effectivement me pousse à me remettre en question et de ne pas rester sur des idées préconçues de ce que je peux interpréter sur Par telle exemple, ou telle situation. Les idées préconçues. Quelles sont ces idées préconçues contre lesquelles vous bataillez ? Les idées préconçues, je pense que c'est assez universel. Les gens en général, et moi
aussi, hein, je me cite, on peut avoir une idée préconçue d'une personne qui pourrait avoir des piercings. Oui. On peut se demander sur, on peut se poser des questions sur la valeur humaine qu'elle peut avoir sans aller discuter avec elle. Et c'est quelque chose, ce genre de lecture nous pousse finalement à écarter un petit peu nos préjugés, tout simplement. Très bien. Et par exemple, si c'était un rasta ou... De la même façon, ou même une personne qui va s'exprimer d'une certaine façon, quelqu'un qui va venir du ghetto ou autre chose, ça nous ouvre le champ à aller vers à écarter le jugement et aller vers l'autre, finalement. Très bien. Ben, merci beaucoup, Marie Inaya Mounza, de nous avoir présenté votre coup de cœur. Merci de m'avoir invitée. Mais je vous en prie. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Black in the City, aux éditions La Bruyère. Merci beaucoup, merci Marie. Merci à vous. Au revoir. Quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci beaucoup de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.